Là, je vous présente. Voilà un coin qu'on a repéré pour faire vulgairement qu'on appelle une chasse aux fantômes, un ghost. Ghostbuster, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc bon, bah, c'est un endroit qui a quand même assez vécu. Je pense que là, si des manifestations, des entités, des choses paranormales, il y en aura peut-être ici. Des vues plongeantes de la vallée. Alors, un silence impressionnant ici. Il reste encore la clé. C'est trop ça. Bon, moi, des personnes qui ont vécu ici, bon, la preuve que on est tous de passage sur cette terre. On reste ici un temps. Tu veux dire quelque chose? Pas mal la maison. Par rapport à ce que c'est, je trouve que la maison est assez petite. Donc le terrain il allait jusque là-bas. La cave est pas mal. Typique, c'est génial. Vraiment extrêmement, extrêmement ancien. Une belle cave. C'est géant. Y a quelqu'un? Là, je me présente. Je m'appelle Pierre. Je suis venu voir s'il y a quelque chose, si vous êtes encore ici. Alors, je fais des recherches, la mort après la vie. Qu'est-ce qu'on devient après? Où on va? Si vous manifestez, ben, n'hésitez pas. Hein. Tapez, criez, chuchotez. Ou touchez-moi. Bon, ça va être une première, ça. Il y a un accès à la maison. Sais pas si on peut rester longtemps ici parce qu'on n'a pas d'autorisation de venir. Je suis pas tellement chaud. Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ça sent l'humidité, mais alors, affolant. Je crois qu'on ne va rien avoir avec la caméra, c'est sûr. Ouh, c'est du plancher, attention. C'est pas trop pourri. C'est parfait. Ouais. On risque d'avoir une des grandes peurs ici la nuit. Ah, attention.
pense qu'il y a un accès au grenier. Parce que là, c'est marrant, j'ai pas vu l'accès au grenier. C'est curieux. Bonjour, bonjour, je me présente, Pierre. Si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas. Tout ce que vous direz sera enregistré par ma caméra. Ah oui, exact. C'était la porte de dehors. S'il y a une porte ici, c'est que c'est... Non, c'est pas le... C'est la porte extérieure, à mon avis. Alors ça, c'est curieux, ça. Comment on fait pour monter là-haut? Ok. Elle est plus longue. Exact. Oui, je me suis fait avoir. Ouais, sinon, à rénover, il y a du boulot, mais elle est bonne, hein. Elle n'a pas trop travaillé, hein. On va repasser par la cave, ça sera plus discret. Un vase d'expansion pour les anciennes chaudières. Vous avez quelque chose à dire? Profitez-en. On envisage de revenir. Si vous manifestez, bah, je reviendrai. Si vous avez des choses à dire, des plaintes, ou des choses à dire à votre famille, je peux transmettre. Il n'y a pas de souci, j'appelle la mairie et je saurai qui a habité ici. L'accès par l'autre côté. Si vous êtes là, essayez de chuchoter, parler. Manifestez-vous, tapez sur les parois. Là, je vais me taire. 5 minutes. Profitez-en. Une grande chouette est sortie de la fenêtre. Grande chouette toute blanche. Ouais, je crois que je vais les filmer. Elle était grande, hein. Ah oui. Un super atelier là. Un sacré potentiel pour faire des choses ici. C'est quand même intéressant. Bon, ça a travaillé beaucoup. Ça s'est écroulé. Je sais pas où ça vient, ça.
Alors ça là c'est curieux. Le champ est juste là. Donc l'eau elle coule ici. Waouh. Ça c'est les manouches. Et le dernier, et on s'en va. Si vous avez quelque chose à dire, profitez-en. Et bonne charpente. Bon, ça c'est pas terrible, mais ça c'est bon ça. Ça c'est du chêne. Très bon ça. Ah, des engrais, sac d'engrais. Bravo. Ceux qui achètent cette maison-là, ils seront obligés de dépolluer le ici, à ses frais. Il était là l'accès. Ok. Hey.